le promoteur du prix international de musique urbaine et du coupé décalé, Primus 2019, Mollaré a donné les raisons pour lesquelles Maria Mobile n'était pas présente à la soirée de distinction alors qu'elle était une invitée d'honneur. Mollaré dit pourquoi Maria Mobile n'est pas venue au Primus 2019. Maria Mobile, la bimbo togolaise aux rondeurs impressionnantes, qui a joué le rôle de Amina dans le clip d'Ariel Chenet, était attendue en Côte d'Ivoire avec son fiancé Jonathan Morrison pour prendre part à la soirée de distinction du prix international de musique urbaine et du coupé décalé, Primus 2019, tenue le dimanche 6 octobre 2019 à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Invité spécial de cette prestigieuse soirée de distinction, le couple Jonathan était donc très attendu. Finalement, seul le jeune footballeur ivoirien Morrison qui a effectué le déplacement et la top modèle togolaise a brillé par son absence au Primus 2019. Interrogé par Vibe Radio sur l'absence de Maria Mobile au Primus 2019, le promoteur de l'événement, Soumaoro Moriféré di Mollaré, a livré les vraies raisons pour lesquelles Jolie Amina est restée à quai. Nous avions signé un contrat. Il se trouve que la date de la cérémonie du Primus a été repoussée. Et cela a tout chamboulé à son niveau depuis les États-Unis. Elle m'a écrit pour m'informer de sa situation, qui était que ce n'était pas évident qu'elle soit là à la nouvelle date, puisqu'elle avait des impératifs professionnels. Elle avait des shootings à faire à la même période là-bas aux USA. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Ici, à Abidjan, c'est le visuel, ton image qui serait véhiculée. De l'autre côté, c'est ta carrière professionnelle. C'est une cérémonie de prix. Les artistes qui reçoivent les prix sont primordiaux. Son fiancé était là et il l'a si bien représenté, a indiqué le boss du coupé décalé à Vibe Radio. Pour rappel, la soirée de distinction du Primus 2019 était initialement prévue pour le dimanche 1er septembre 2019, mais Mollaré a dû reporter cet événement au 6 octobre après la mort brutale de DJ Arafat survenue le lundi 12 août 2019.